Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Track Day. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une voiture qui a marqué les années 90, la Vauxhall Cavalier, qui a évolué pendant bien de nombreuses années, au début des années 90, donc dans le championnat britannique de supertourisme que vous connaissez bien sûr, le BTCC. Et à son volant, un pilote très connu et très réputé, John Cleland, un pilote britannique qui est un peu le Poulidor du BTCC de ces années-là. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. En fait, si vous voulez, Vauxhall introduit la Cavalier GSI dans les années, en 90 précisément. Et Cleland a déjà terminé deuxième de sa division derrière une BMW, celle de Frank Sittner, alors que c'est Rob Gravett qui prend le titre sur une Fortiera aux couleurs de Shell. Très jolie voiture au passage. Et en fait, ça va être le cas un peu toutes les années. En 91 et 92, la réglementation va changer et le BTCC va passer sous la réglementation des 2 litres au niveau des moteurs. Et donc, c'est cette voiture que vous avez actuellement sous l'écran qui va devenir l'arme de Vauxhall. Mais ça ne va pas se passer comme prévu, puisqu'à chaque fois, il y a une BMW qui va se mettre en travers de la route de John Cleland pour le titre. Je vous explique rapidement. Donc, en 91, il perd le titre derrière Will Hoy, qui est donc champion, Will Hoy d'ailleurs qui nous a quitté en 2002, un pilote extrêmement talentueux qui pilotait encore des Ford Mondeo 2 ans avant de nous quitter en BTCC, donc une grande perte, c'était à mentionner parce que c'était un très grand pilote quand on parle de BTCC. Ensuite en 92, vous devez connaître ce passage de l'histoire du BTCC, une immense bagarre entre les deux pilotes BMW de l'époque qui venaient d'instaurer la E36 et John Cleland à Silverstone, où Steve Soper et Tim Harvey se battent pour le titre avec John Cleland, qui aura eu le titre en main pendant quelques virages avant que Steve Soper ne vienne se mettre en travers de sa route pour offrir le titre à son coéquipier Tim Harvey. Donc ça a été très compliqué pour la Vauxhall. Vous l'avez cette fois-ci dans la version 93. Alors vous dites, ça y est, en 93, ils vont enfin être champions. Non, puisque c'est de nouveau une BMW et l'allemand Joachim Winkelhock qui va venir perturber la marche de Vauxhall, qui commence à décliner dans ce championnat. Mais c'est le début des grosses années où toutes les usines arrivent. Et ça va être de plus en plus difficile pour Vauxhall de survivre. Ensuite, instaurer la Vectra en 97, si je ne dis pas de bêtises, avec toujours John Cleland au volant, qui restera de nombreuses années. Il sera rejoint par Derek Warwick, ancien pilote de Formule 1 dans l'équipe. Donc voilà, une voiture vraiment bien modélisée. Le seul souci vraiment à noter, c'est que lorsque vous braquez vos roues, les roues traversent les ailes à l'avant. Vous allez le voir sur quelques plans. Et c'est assez mal fait, malheureusement. Sinon, globalement, le son est plutôt correct et les textures également. Vous connaissez justement la règle en parlant de son. Montez-le.